C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est... Mais non, c'est dans la tête. C'est chaud. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Ah, non, je suis pas un bonhomme. Salutations distinguées. On commence. Bah ouais, j'ai délaissé mon spa hier. Bah mon spa naturel, non. Je l'ai avant-hier, parce que c'était hier pour vous dans la vidéo. Oui, qu'est-ce que veux-tu? Donc on commence par le spa, on va dire, on m'a marqué quoi? En bourgeoisie. Non, en bourgeoisie c'était en mode genre, non j'ai pas envie du spa, genre j'ai un spa j'en profite pas. Non, c'était la technologie, voilà, mon spa technologie, à la 39 degrés. Quoi de mieux que commencer une journée comme ça? Hein? On va attaquer le ménage, tout ça. Bah moi attaquer mon vlog d'hier. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais redire, mais en feu d'artifice, il y avait beaucoup de vent. Tout ça pour ça? Bah laisse ça s'exprimer, c'est ton temps, toi. Ah, t'as persécuté. On fait un petit tour, on va attendre que la grande rentre. Ah, j'ai plus de batterie en plus. Donc, il y a bien sûr ma femme. Ah, la tête. La tête de quoi? Bah oui! Bah oui! T'es pas la mère, hein. T'es une bonne femme ou t'es pas une bonne femme? Ouais! Donc il y a moi, il y a Aya, il y a Adam, il y a elle, et il y a ma femme, il y a moi, il y a Aya, il y a Adam, il y a Yael, il y a ma femme. Et il y a ta bouche. Oh, je suis dans la lumière. Oh. Est-ce que tu es dans la lumière, toi? La lumière de ta connerie. Non, ouais, tu es pas dans la lumière. Moi, je suis dans la lumière. Suis, viens avec moi, mon enfant. Viens avec moi. On se retrouve, donc, il est 16h. Voilà. Nous sommes en attente. En attente de, comment dirais-je, de mon relou de frère. Non, plus sérieusement, on est en attente, oui. C'était sérieux en fait, pas le relou. T'as voulu le faire. Ah non. Non, t'as voulu faire un petit. Non, c'est pas relou. Bon, en fait, le truc, je pense que je vais lui dire quand il va arriver, c'est qu'il nous a même pas envoyé un message pour dire qu'il partait. Donc il est 16h, je ne sais pas à quelle heure il est parti, je ne sais pas si on doit l'attendre avant 19h ou pas. Donc voilà, on est en attente. Donc nous sommes le 14 juillet. Techniquement, on doit aller faire le feu d'artifice ce soir. Donc ça se trouve, il sera même pas là. Ça se trouve, il va même pas arriver parce que je l'ai prévenu que Toulouse, on va dire Carcassonne ou Narbonne, Toulouse-Narbonne ou voilà, enfin bref, c'est la même autoroute, que ça allait être blindé parce que bien sûr, tous les Toulousains, tous les Montaubanais. Je sais pas. Il y a le Tour de France aujourd'hui. Où? Didier et Gaël, ils sont partis à Foix. À Foix, mais Foix c'est. Belouade. Bah oui. D'accord. C'est pas dans notre région. D'accord. Dans notre région, il passe pas le Tour de France. Et de toute façon, il passe pas sur l'autoroute. Ah bah on sait jamais. Genre normal, genre l'autoroute. Vous avez entendu? T'as voulu faire la chaude? Voilà. Elle vient de tuer. Je crois que t'es mort là. Salut. T'es sérieux? Ah, c'est rigolé, sale catin. C'est elle? T'es sûr? Voilà, vu le sang qu'il y a là-bas. Ah, vous l'avez en live. Hein, C'est bon, elle me saoule les mouches. La vraie vie. Je pense que tout le monde tue les mouches. Même si c'est pas bien. Ou peut-être pas. Sinon, cet après-midi, moi j'ai un petit peu avancé. Regardez.
Bon, je vous montre un petit exemple de ce qu'il va y avoir en... Voilà. Avec des trucs dessinés. Bon, faut que je les retravaille. Enfin bref, donc là je suis dessus sur ça. Et j'ai créé 1, 2, 3, 4 nouveaux pochoirs. 3 sur. Quatrième, j'ai un doute. 1, 2. J'en ai fait 3 cet après-midi, mais je crois que j'en avais déjà créé un d'avance. Enfin bref. Que vous aurez sûrement au mois de juillet. De toute façon, au mois de juillet. Nous sommes au mois de juillet. T'as même pas relevé. Ah, la moitié du mois. Donc voilà. Et en fait, à l'origine, j'étais en train de parler de mon frère. Voilà, qui ne nous a pas envoyé de message et qu'on attend. Voilà. Et donc, et je repars. Donc, vous aurez en début août. De toute façon, en début août, comme je l'ai dit hier ou avant-hier. Ouais, franchement, le travail, il se fait les minimes. Hein. Je pense que tout le monde est à peu près pareil en été. On va dire que c'est un peu plus relax, un peu plus tranquille. Donc, il y aura le réassort de badge d'été. De toute façon, il y aura que le, ça sera le dernier en plus, comme je l'ai dit. Je ne referai pas d'été. Pourquoi tu bailles? Excuse-moi de bailler, j'ai pas le droit de bailler. Mais j'ai le droit de bailler. Est-ce que je vous saoule? Si elle a baillé, ça veut dire que je saoule. Mais non, c'est que j'arrête. Je suis fatiguée, c'est tout. Non, non. Vas-y, je te fais un cœur. Non. Fais un cœur là, regarde. T'as l'air malin. J'arrive pas. Je suis un vrai gangster, je suis tatoué. Et normalement, il y a marqué quoi? Il y a marqué même. Je suis un vrai gangster. Non, je fais une tête de mort en dessous si tu veux. Bon, mais toi, c'est ta peau, c'est pas la mienne. C'est pas moi qui va passer 15 ans à frotter. Alors, c'est comment? C'est bon, j'ai les gros grattoirs à l'inox là. Ça va bien gratter. Ah, en fait, il y a la fête au village là. Même pas ils nous invitent, ces bonnes fleurs. Une tête de mort. Tiens, tu me fais un tatouage sur le côté? Vas-y, Marc, fais un truc. Moi, je pars un truc. Elle voulait faire ça, elle, je crois. Et on fait la petite moustache avec un petit smiley. Créa de moi par en couille. Hop. Créa de moi. Donc j'en étais sur quoi? Avant que je pars en cacahuète sur mon bras. Bah je fais mes designs, hein, voilà, regardez, je vais prendre ça et je vais faire des designs avec et ça fera des tampons, des pochoirs, tout ça quoi. Je parlais de quoi avant que je parte en cacahuète là? Que je baillais. Que tu baillais, ouais. Et donc oui, je disais, voilà. Oh. Ouais, voilà comment on fait, voilà, et comment on fait une très longue vidéo, c'est parce que bah, je pars en cacahuète. Et donc je disais que je ne referai sûrement, parce que je dis pas, mais normalement, je ne referai pas de réassort été en septembre. Parce que voilà, ça ne sert plus à rien. Ce sera l'été prochain. Donc ce sera l'été prochain. Ouais, mais il y a un été indien ici. Il fait beau jusqu'en octobre. Non, la rentrée, oui, nous, on fait beau, mais pas chez tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, vous savez quoi? Vous êtes ma source d'inspiration. Non, vous êtes quand même un peu concerné, les trois quarts. Donc, est-ce que je fais, comme j'avais dit à l'origine, des séries limitées déjà. Rien que par exemple, les premiers tampons, ce sont des séries limitées. Dès que j'en ai plus là, j'en ai plus. Voilà. Je referai d'autres trucs, mais peut-être différemment ou avec des modifications, tout ça. De toute façon, cela, voilà, c'est réglé. Donc en gros, il faudra que je refasse des mots. Des mots. Des mots. Voilà, des pochoirs avec des mots, parce que hein, ça, voilà. Enfin bref, donc en gros, je ne pense pas avoir du stock, on va dire, été toute l'année. Voilà, on entend crier, mais on se demande d'où non, ça vient. À mon avis, mais oui, le 14 juillet, il n'y a pas. Ah bah si, pour gagner un peu d'argent, les 5 centimes, là, tu te rappelles, qu'ils nous avaient saoulés pour qu'on vienne. Ouais, ou pas.
Bon, enfin bref. Tu veux me faire un dessin? Vas-y, tu sais quoi, fais-moi un dessin. Et je le montre. Vas-y, tu sais quoi, je le regarde pas. Vas-y, vas-y, tiens. Tiens. Je veux que je te fasse. Vas-y, mais fais ce que tu veux. Vas-y. Vas-y. Ferme les yeux. Vas-y. Ça part en couille. Arrête de bouger, hein. Ça chatouille. T'as fait quoi, un lapin? Ou un chien? Des trucs, tu sais, des gamins là. Tu sais où tu fais 2-6? Après tu fais les yeux. Tu es dans la lumière, ma femme. Ça s'amuse bien chez Créa de moi. Donc je pense. C'est une maison. Je vais baisser un peu l'luminosité. Ah, pas quand même, tu vois bien que c'est une maison. Tu reconnais quand même, je sais que je suis pas doué, mais quand même. Une maison, et ça c'est quoi? C'est une tulipe. C'est une tulipe. Vous avez remarqué que la tulipe est aussi grande que la maison. Et il y a quoi d'autre? C'est un arbre. Et ça c'est de l'herbe. Ah, je vois pas l'arbre. Ah, désolé. Et ça c'est quoi? C'est de l'herbe. Ah, c'est une cheminée. Avec de la fumée? Bah oui. Donc on est en hiver. Donc c'est incohérent, parce qu'il y a une tulipe, des arbres qui sont fleuris, mais il y a de la fumée. Mais c'est pas possible. Ici, à l'automne, t'allumes la petite fumée. Ben, mais il n'y a plus de tulipes. Mais si, les tulipes, c'est quand? Mais si, c'est pas l'automne. Enfin bref, on s'en fout. C'est au printemps en plus, les tulipes. C'est pas grave. On s'en fout. On continue? Non, 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 dis pas, non. Bon, je vais appeler les gamins pour qu'ils butent. Bon, allez, il est relou, mon frère. Il est toujours pas arrivé, quoi. C'est vraiment un casse-viande, quoi. Bon, enfin bref. Ça va, Sim? Oui. Bon, c'est quand que tu mets une vidéo dans ta chaîne YouTube? Jamais. Jamais? Ouais, c'est ce que je vois, parce qu'il y en a pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup de mises à jour. Hein. Tu peux l'ouvrir, hein? Alors, le cadeau de tonton Serge. Qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau de tonton Serge? Qu'est-ce qu'il nous a offert, tonton Serge? Mais déchiré, hein. Il a peur, il a peur. Mais il a peur de quoi? T'as peur que ça te saute à la tête? Non. Pas de montre en arrière. C'est lui qui le mec relou. Il y a que des confettis dedans, tu sais que c'est merdeux, genre de ça. C'est pas ma bouche. Surtout, faut dire que faudra que tu dises merci à tonton Serge. Là, vous me faites peiner quand même. Ah là là. Non, bien sûr, il va falloir dire merci à Ezika Châteauroux. Donc si vous passez par Châteauroux, n'hésitez pas à aller à Ezika Châteauroux. Non mais tu t'es enflammé là. Mais ouais, là tu t'es touché. Ah ouais. Là. Non mais t'es sérieux? Pourquoi Batman? Ah oui. Bon, mon rêve c'est un peu enflammé. Tu me diras combien je te dois surtout. Ouais, c'est clair, bah voilà, c'est un cadeau. Bon, mon fils va être content. Ah ouais, putain. Lego. Maman. Oui. Indiana Jones 1 et 2. En 3 jours le jeu. Ah ouais. Oui, c'est que c'est un vrai geek, quoi. Le Seigneur des Anneaux, 3 jours. Je sais pas quoi dire, franchement. C'était un unboxing de ouf. Mais de ouf. Avec des jeux de malade. Et tu sais qu'on a des voisins. Ah ouais. Et ils nous font pas chier à 9h du matin le dimanche matin? Non, à 8h du matin le dimanche matin. Ça, tu vas laisser dans ta vidéo là? Ouais, franchement, je laisse tout, je m'en fous. Il y a pas de coupure, il y a pas de truc comme ça. Papa, elle est malade. Arrête. Thank you.
fait chaud. Cacao. Et quelle heure? Minuit 38. Bon, ça... minuit 38, on vient quasiment, ça fait quoi, 5 minutes ouais. Qu'on est rentré. Ouais. Vous voulez un truc de ouf? Elle est sur le billard. On fait des trucs bizarres sur le billard. Ouais. Tu regardes? Ouais, je regarde. Enfin bref, voilà, soirée finie. J'espère que déjà les images ont été. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Que veux-tu? Je veux une lumière. Je peux pas dormir sans lumière dans la chambre. T'es sérieux? Ah, tu veux une veilleuse? Bon, je conclue mon vlog. T'en as eu quand même? Non, on n'a pas de veilleuse. Mais non, on n'a pas de. Mais pourquoi tu veux une veilleuse? Non, mais c'est. Tu vois, si on veut se mettre dans le lit par exemple, oui. Et pas dormir tout de suite, on allume juste une petite lumière. Ah, une lampe. Tu veux le PC portable? Non, il prend la lampe du salon sinon. Mais pourquoi tu veux une veilleuse? T'as la lumière du portable. Mais non, mais on a la lampe du salon, il peut la prendre. Non, mais je comprends qu'il ait peur à un stage là. Vous assistez à une magnifique conversation. On n'a pas besoin de lumière. Non, mais c'est qu'il veut pas dormir tout de suite, je crois qu'il est pas fatigué, le monsieur. Mais je vais lui mettre une panade. T'as quel âge? 40, 41? Non, 50 ans, c'est ça. 41 ans, monsieur a besoin d'une veilleuse. Non, mais allô, quoi. Monsieur a besoin d'une veilleuse. Non, mais sérieux, quoi. Bah ouais, voilà, tu peux prendre ça, vas-y. Il a trouvé sa veilleuse. Donc, j'étais en train de dire quoi avant de me faire interrompre pour une veilleuse? Donc, tu nous as emmené dans un traquenard. Heureusement, j'ai pensé à faire demi-tour parce que ma femme voulait pas faire demi-tour. J'avais peur. Elle avait peur. Heureusement que j'ai assisté parce que sinon on serait pas sorti encore de là-bas. Parce que ça avançait pas du tout. Bah j'avoue, c'est hallucinant. Comment on s'est bloqué? Bah, ah, mais nous, on prend la route qu'on a pris là pour repartir. Ouais. Mais vu que. Non, on était de l'autre côté. En voilà, fait. Voilà. Bah, quand on est arrivé, on est arrivé de là. Ouais. Donc. J'étais en train de te dire quoi? Voilà. Il va être très dur à monter ce vlog parce qu'il y a plein de trucs à couper. Et donc, j'ai toujours mes tatouages. Et. Laquelle? Ah, ça colle au cul, ça. On est tous ravis de le savoir. Et sinon, arrivé au moment, je peux finir mon vlog. Il est carrément une heure, mais vous avez l'impression que ici, c'est la fête du slip, quoi. La fête, hein, celle qui se fait prendre tous les 3 mois. Parce que elle, c'est bien la même. Oui. C'est qui se fait prendre tous les 3 mois? Vous voyez comment je suis malheureux? Non, on va se rapprocher parce qu'on m'entend pas. Ouais, franchement, vous voyez comme je suis malheureux, elle se fait prendre que tous les 3 mois. Ouais, sérieux. Bah, faut ramonager un peu, quoi. Aïe, putain, je me suis mordu la main. Allez. Vlog qui part en cacahuète. C'est bon? Est-ce que je peux au moins finir mon vlog? Bah, vas-y, finis. Allez, tchou. À la royure. Demain ou pas demain? Bah. Toi, tu travailles toute la journée, mais normalement, samedi, je filme pas. Bah, tu fais comme tu veux. Comme tu veux, tu choisis. Je vous dis peut-être à demain. Peut-être à demain, sinon je vous dis à lundi. Ah, ou. Ben non, en même temps. De quoi? C'est en décalage. Je suis en décalé, donc c'est bon. Donc peut-être que vous verrez même pas le décalage. Allez, à demain. Salut. C'est tout, à bientôt.